circuit was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guard. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la manche numéro 10 des championnats 1999 de Formule 1 sur le Grand Prix donc d'Hockenheim. Donc c'est parti, nous allons lancer les qualifications. Par contre on va régler un petit peu la voiture parce qu'au niveau des ailerons il va falloir mettre les ailerons au minimum pour avoir une bonne vitesse de pointe. Je pense qu'on va mettre moyennement long, pas forcément très long. Alors apparemment il va pleuvoir donc on va laisser limite tendre. Faire ok. Plusieurs nuages. Ok, donc c'est parti pour les qualifications. Directement. Hockenheim s'apparente un peu à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, compte tenu de son double caractère. Autour du stadium, les virages sont lents et serrés, mais la majeure partie du tracé est composée d'une série de lignes droites rapides, ponctuées de chicanes. Allez, c'est parti, on va avancer le temps. On va voir s'il pleut plus. Ouais, c'est pas mal. On va faire rejoindre la piste. Là il ne pleut pas, donc logiquement ça devrait le faire. Ah par contre ça peut dire que j'ai les bons pneus. Mais en tout cas ça a l'air sec, donc c'est parti. La piste qui est d'ailleurs ultra large, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, regardez, on peut mettre 1, 2, 3, 4 voitures de front quasiment, tout va bien. Ce qui est pas spécialement réaliste d'ailleurs, mais bon. On va laisser comme ça. Ouf, je peux t'en couper. Attention aux freins, j'ai pas beaucoup de. Pas beaucoup de d'ailerons donc. On sait jamais. Ah si, il se remet à pleuvoir quand même, ouais ok. Donc on a bien fait d'avoir les pneus. Les pneus humides, 310 km/h. Alors on va essayer de se déplacer à la Benetton. Donc ouais, le Grand Prix de Hockenheim, ben, dans sa version la plus intéressante, j'ai envie de dire, parce que bon, même si la nouvelle version sortie en 2002. Reste un circuit par contre assez intéressant quand même, hein, faut pas tout jeter. Il dirait qu'on a perdu un charme énorme avec la perte de cette gigantesque ligne droite avec ces chicanes qui ont entrecoupé. Et franchement je suis un petit peu déçu, je préférais vraiment l'ancienne version. Allez, on va partir pour un tour qualification et finalement il pleut un peu partout. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez aussi de la version 2000, hein, où justement Barrichello avait eu sa première victoire, puisque c'est lui sa première victoire justement parce qu'il avait continué avec les pneus slick, sachant que dans une partie de du circuit, c'est-à-dire cette partie où on est actuellement, la piste était sèche. Alors que quand on arrivait dans la partie stadium, la piste était mouillée. Du coup, s'il perdait beaucoup de temps dans la partie humide, il en regagnait largement dans les deux tiers du circuit. Et c'est comme ça qu'il avait d'ailleurs gagné la course. Même si c'était bien aidé par le fait que un fanatique s'était mis sur le circuit et avait fait sortir le safety car. Sans ça, je pense qu'on aurait eu une victoire de McLaren à cette époque. Et avec le recul, je pense pas que ça aurait donné une petite rakinette pour autant, hein, mais en tout cas, ça aurait peut-être pu l'aider facilement à l'avoir. Ah, quoi que j'avais tourné à fond quand même. Ah non, c'est bon, ça passe pas, j'allais dire une bêtise. Alors on va faire un premier tour en une 30. On a 2 secondes d'avance sur Häkkinen. Ça veut rien dire, hein. Peut-être qu'il peut arrêter de pleuvoir et du coup les voitures allaient plus vite, je sais pas. On est quand même à 312 km/h. Par contre je peux pas aller plus vite, hein. 312. Même retomber à un moment. Et le moteur il en peut plus, hein. Complètement. Voilà, on est passé. Alors c'est marrant aussi de voir comment dans la version 99 ils ont remplacé le Foster de la version 95 à Faster en version 97 et pour la 199 ils sont passés à Formula 1. Tout simplement ils ont même pas cherché à faire un truc qui ressemblait. Ils ont dit bon on va juste
J'ai vu mettre le nom formule. Hein. Pareil pour le sponsor en haut, là, normalement, je crois que c'est Gauloise. Finalement, là, il n'y est pas. On a 3 dixièmes de retard. Je pense que ça refait un meilleur secteur, c'est bizarre. Après, pourquoi pas, hein, on va voir. Là, Wakilen s'était planté, c'était ici. Avec le gros freinage. Il y avait un peu qui avait échappé complet. Du coup, le McLaren à 200 km/h ou 250, je crois, avait tiré tout droit. Bon, 100 balles pour le pilote finlandais. Et voilà, deuxième tour. Et finalement, on a fait mieux. C'est pas mal. On va faire fin de qualification. Donc c'est parti, réglage de course, je pense qu'on est bon. Pour la course, apparemment, il va pleuvoir aussi. Alors, nuageux. Ah, par contre, réglage de la voiture, on va repasser en pneu septembre, tant qu'à faire. Bah, on va garder ça comme ça. Boîte de vitesse, on est bien. Je pense 312, ça devrait suffire. Évidemment, pas direction assistée. Suspension, on va laisser. Ok. Donc, écoutez, c'est parti. Espérons que tout se passe bien. Oh non, on part même pas en pole. En pole position, Eddie Irvine. C'est Eddie Irvine qui est parti en pole. Mika Häkkinen. Et en troisième place, nous retrouvons David Coulthard. On partira cinquième, d'accord. Ouais, c'est pas si bon que ça. Hein. J'étais assez optimiste finalement. Place, Stéphane Sarrazin. En sixième place, Ralf Schumacher. Septième place, Damon Hill. En huitième position. On serait intéressant de savoir à quelle position est Nicky Salo aussi. Neuvième place, Giancarlo Fisichella. 10e place, Alessandro Zanardi. 11e position, Jacques Villeneuve. 12e place, Riccardo Zonta. En 13e place, Jean Alesi. 14e position, Jarno Trulli. 15e place, Alexander Wurt. J'ai pas fait attention à quelle place partait Mika Salo par contre. 17e place, Rubens Barrichello. En 18e place, Pedro Diniz. 19ème Mika Salo. Alors quand on pense qu'à l'époque, justement pendant cette course de 99, Mika Salo justement avait failli remporter la course mais avait dû laisser passer Irvine, c'est quand même étonnant. Et c'est parti. Après le jeu ne prend peut-être pas en compte les derniers résultats de 199, hein. C'est souvent le cas en général, les jeux sortant en septembre-octobre. Et pas forcément tout dernier mise à jour de classement ou de hiérarchie. Allez, c'est parti, on est 6ème. Est-ce qu'on a fait le bon choix ou est-ce qu'on manque de vitesse de pointe? Eh ben, on manque de vitesse de pointe, donc ça risque d'être assez compliqué. Et oui, le fameux Grand Prix d'heure où donc Irvine avait remporté la course. Oula, je fais. Voilà, mauvaise relance. On va essayer de prendre l'aspiration pour prendre un peu de vitesse. Ouais, c'est bon. Ah bah là on est que 9ème. Alors je pense qu'on va pouvoir quand même récupérer des places dans certains contextes. Par exemple ici, où j'ai failli faire une Villeneuve. Allez, on va prendre aspiration sur la méthode, ouais c'est bon. On va faire attraper la Stewart aussi. Vraiment que je fasse gaffe au freinage, je vais pas partir en sucette. Oh, je suis tiré complètement tout droit. Ah, la race est très intéressante cette course là, parce que j'ai l'impression qu'on va galérer. On va voir comment ça se passe. Ouais, c'est bon, il s'est écarté au dernier moment. Oh, attendez, j'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé avec la manette? Qu'est-ce qui s'est passé? La manette elle fait que livrer. Et ben voilà, j'ai perdu la manette en plein dans le jeu. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est bizarre, au moment où j'allais dépasser, j'ai perdu la manette. Bon bah alors du coup on est 19ème, 20ème, ah, j'aurais dû quitter très rapidement, bon là, ça va être super compliqué. Je sais pas pourquoi la manette a fait ça, comme si le réglage, je sais pas, c'est bizarre. Bon c'est manette, cette fois-ci c'est manette de PS3, je précise quand même. Donc c'est étonnant que ça ait fait ça quand même, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, c'est dommage parce qu'on avait tout bien fait, bon alors on est 20ème. Pour rattraper tout ça, ça va être compliqué. Ouf, j'ai un peu glissé. On va sur l'aspiration sur la rose. Voilà. Il vient de réaliser une incroyable manœuvre. Ça dépasse parfaitement.
C'est quand même étonnant, j'avais pas eu de bug juste avant, mais en fait ça me fait ça. Alors je me demande si c'est pas le justement le vibreur qui a... La vibration qui a créé ça. Oh mon dieu, pour rattraper tout ça, ça va être compliqué. Alors certes, il y a 10 tours, ça va être une des courses les plus longues de la... du championnat, hein, parce que c'est quand même un circuit très lent. Ah, très lent, très long. Oh, regardez, oh, ils se décalent tous. Ah, ils sont tous refermés la porte. Il remonte rapidement derrière lui. Va-t-il réussir à le dépasser? Ouais, c'est bon, ça va passer. Oh là, je dépasse carrément dans l'herbe. Bon, dans la portion un peu plus longue, je m'en sors un peu mieux. Regardez comme il se décale pour essayer de m'empêcher de passer. C'est vraiment dans la partie rapide que j'ai du mal, hein, parce que j'ai pas de vitesse de pointe. Ah, ça va remonter. Quoique j'ai l'aspiration sur la BR devant, j'ai l'impression. Je pense que ça va être Zonta, peut-être. 315, hein. Ça fait gagner 4 km/h cette histoire. Oh, j'ai tiré tout droit et on s'est touché. Ils ont eu un léger accrochage, mais rien de bien méchant, apparemment. C'était instantanément. Ça sent la course catastrophique, hein. Franchement. On est revenu à la 19ème place. Ah, c'est dommage, on était bien là. On avait commencé à remonter. En plus, ça va relancer un peu le championnat, mine de rien. Ouais, j'ai tiré tout droit parce que je voulais pas me rabattre en fait en essayant de dépasser à l'extérieur. Du coup, j'ai essayé de privilégier le non-accrochage et finalement, on s'est fait accrocher quand même. Oui, il est bien parti. Il remonte rapidement derrière lui. Elle va pas tenir. Regardez l'IA, comment elle fait n'importe quoi. Ouais, c'est bon. Il l'a fait avec une telle facilité. Ouais, c'est bon. On va pouvoir passer la Sauber. Il a fait des prouesses sur ce circuit. A-t-il réussi à le passer? Et voilà, on a encore tapé, on a perdu un allon avant. Oh bah là, c'est fini, c'est fini complètement, on va rien pouvoir faire. Je peux même plus tourner. Bon bah voilà, fin du game. Je sais pas comment je vais faire. Je vais quand même voir si je peux aller dans la ligne droite. Ah, j'ai pas trop de temps. J'ai pas trop de temps et puis j'ai plus une vitesse. Il m'a arraché l'aileron au passage. Deux abandons déjà. On m'a dit qu'il va s'arrêter d'un coup le pilote William, du coup je vais pas pouvoir l'éviter. Ouais, c'est bon, ça va passer. Bon, on va rentrer au stand de toute façon. Alors on n'a pas vu encore la pluie arriver en pleine emprise, mais ça pourrait peut-être arriver. Salo est 10ème, hein. Salo a quand même gagné 10 places. On va s'arrêter au stand pour réparer. Voilà, environ. Voilà exactement ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Allez, donc on repart bon dernier en 20ème position. J'aurais pas dû même baisser les ailerons encore, hein, histoire d'avoir une vitesse de pointe. Ah non, je peux pas, j'étais déjà au minimum en fait, donc j'aurais pas pu. Regardez le gap qu'il y a entre les voitures devant moi et celle encore après. Oh, c'est bon, je peux prendre à fond. C'est incroyable. S'il profite de l'aspiration, donc, mon coéquipier est doublé déjà. On va essayer d'aller le plus vite possible, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix, on va attaquer au maximum. Il l'a fait avec une telle facilité. Oh là, je suis complètement loupé. En fait, s'il pourrait me sauver encore, ça serait peut-être que là, faut plus que je perde de temps. Aucun problème. Va-t-il réussir à le dépasser? Ouh, c'était tendu, mais c'est passé. Alors, vous avez vu, on a quasiment pas besoin de freiner, hein, finalement, sur ce tracé. Il réduit l'écart qui les sépare.
Ils se sont légèrement accrochés. Le problème, c'est quand j'essaie de doubler, je perds tellement de temps. Alors que moi, je serais beaucoup plus rapide que ça. C'est pas très beau, en tout cas, sur le tracé. Il remonte rapidement derrière lui. Alors, avoir la deuxième position en course, Irvine, Häkkinen, Coulthard, Hill, Frenz et Schumacher. Alors, Schumacher, bien sûr. Bon, là, on est tout seul, c'est le moment de gagner du temps. Et j'espère que c'est le rateur. Regardez, secondes, 2 secondes sur juste, on a gagné 9 secondes dans l'espace de d'un tour. Va-t-il réussir à le dépasser? Allez, reste 3 tours. Oh non, non, non! Oh là, regardez le temps que j'ai perdu, c'est incroyable! Ah, c'est dommage parce que là on était remonté sur le groupe. Hein. On a eu la ligne droite pour remonter. Cela pourrait bien relancer la course! Aïe! Ah, bah j'ai gagné une place d'air, donc il y a dû avoir un abandon peut-être. Peut-être encore un autre à venir. Mais s'il y a des abandons, il faut absolument que ce soit dans le groupe de tête, hein, pas dans le groupe devant moi. J'espère bien dépasser quand même. Häkkinen, Coulthard, Barrichello. Oui, il y a un abandon dans le groupe de tête. Schumacher a gagné 2 places, Frenzen a perdu une place. Binem est 7ème, ah, salaud 8ème. Quelle remontée du pilote finlandais. Oh non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Pourquoi je fais à chaque fois la même erreur, quoi? Ça fait deux fois que je fais la même erreur, je recommence tout à cause de ça. Et encore un abandon ou deux, mais bon, si je calcule le nombre de voitures devant, les points sont quasiment inatteignables. Voilà, pas rêver non plus. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer. On est passé. Et d'une. Encore 9 tours. Ouais, j'ai complètement loupé mon freinage. Super. Barrichello est 5ème maintenant. 2 points peut-être dans la besace du pilote Stewart. Et 1 point pour Villeneuve. Il y a encore une abandon. Il remonte rapidement derrière lui. Va-t-il réussir à le dépasser? Alors, est-ce qu'on va pouvoir le dépasser ici? Non, ça va être compliqué, c'est le dernier tour. On va prendre l'aspiration. Oh, comment il m'a esquivé, c'est impressionnant. Je sais ce qu'il a fait là, mais je crois que c'est trop lit. Oh, ce mur ne pardonne pas. Ah, j'ai eu le revirement du vibreur, à force de prendre trop de risques, j'ai perdu. Voilà, Frenzen. Ah, c'est Frenzen qui a abandonné, incroyable. Il y a pas mal d'abandons hein, vers ce Grand Prix. On n'aura pas les points, hein, ça c'est une évidence. On va dépasser Häkkinen. Oh, c'est Häkkinen qui a remporté la course. Allez, j'essaie de passer à l'intérieur. Un petit choc sans gravité, évidemment. Et donc tu passeras pas, du coup on est 9ème. Ah, il y a trop d'erreurs. Franchement, j'aurais fait 2 erreurs de moins dans le lot. Bon, après, j'ai le problème de la manette et qui a fait perdre beaucoup de temps, mais j'ai quand même fait 2 grosses erreurs après. Bon, bah c'est pas dans les points, du coup le classement va se resserrer, je pense, d'un coup. Alors du coup, c'est Häkkinen qui remporte la course devant Coulthard et Hill. Hill finit sur le podium pour Jordan. Très bonne opération d'écurie d'Eddie Jordan, justement. Quatrième, Ralf Schumacher sur la Williams. Cinquième, Barrichello. Et sixième, Villeneuve. Barre qui va marquer un point alors que c'était pas arrivé du tout dans la saison 99 en vrai.
Du coup, un classement plutôt atypique, ça fait plaisir quand même à voir. Pas mal d'abandons. Et finalement, Ferrari qui marque 0 points alors qu'il devait marquer au moins 4 points de plus que le pilote allemand. On va faire continuer. On va voir justement le classement global. Alors, bon, ça c'est le classement total, ok. Alors, c'était qui le 7ème? C'était Mika Salo hein, qui aurait presque pu marquer un point. Alors, du coup, au classement. Pilote, Hakkinen prend la deuxième place, du coup, la place de Dauphin. Alors, il a quand même pas mal de retard sur moi, mais quand même, Schumacher qui marque pas de points évidemment pour le moment. Quatrième Coulthard, Eddie Irvine, quatrième aussi, ça a pas trop bougé. Coulthard est remonté en quatrième position. Par contre, Ralf Schumacher, voilà, bon sixième avec 12 points. Démonil est maintenant septième, qui dépasse son coéquipier Frenzen. Huitième, Rubens Barrichello, 5 points, et Jacques Villeneuve, 1 point. Et du coup, au classement. Constructeur, c'est McLaren qui est en tête devant Ferrari. Voilà, donc ça a été une journée assez noire pour nous sur ce circuit. Minardi donc troisième, quatrième Jordan pour le moment, ça bouge pas et je pense que ça n'a pas trop bougé puisqu'il y a quand même 8 points d'écart maintenant. Williams cinquième, sixième Stewart et septième BR qui marque donc ses premiers points. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve normalement pour la prochaine course. Alors, je vais vous dire où, mais normalement, il me semble que c'est la Hongrie, si je ne me trompe pas. Je vais vous confirmer ça dans quelques temps. Tant que le chargement se finisse. Voilà, c'est le Hungaroring, donc ça va être compliqué aussi, puisque c'est un circuit qui est très, très étriqué. Donc, on verra la prochaine fois comment ça se passe. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!